Beaucoup viennent souvent me dire que Sous, quand je parle à mon homme, il ne me croit pas. Tout ce que je dis, il ne m'écoute même pas. Il ne fait qu'à sa tête. Ce que je vais vous dire, c'est qu'entre l'homme et la femme, on la rassure avec les mots. Parfois, nous, on aime le mensonge. Oh, quand on te dit que tu es belle, tu as une jolie coiffure, tu es la plus belle femme du monde. On aime ça. Les femmes, c'est comme des gamines. Et les hommes, la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, on rassure avec les actes. Nous, les femmes, on aime bien les bons parleurs, les gars qui mentent. Beaucoup de femmes, pas toutes, beaucoup de femmes aiment les menteurs. Donc, et chez l'homme, c'est la différence. Il y a une très grande différence. Chez l'homme, c'est les actes. Tu ne peux pas, quand tu vis avec un homme, nous, les femmes, parfois, on oublie qu'on rassure un homme. Il faut savoir rassurer un homme. Tant qu'un homme n'est pas rassuré, ne peut pas vous aimer, ne peut pas être amoureux, ne peut pas vous faire confiance. On oublie aussi que la confiance est la base de la relation. Parce que si ton homme ne te fait pas confiance, ça ne sert à rien. Cette relation est vouée à l'échec. Donc, ce que je vais vous dire, vous les femmes, aujourd'hui, l'excès de mensonges, que tu mens, que l'homme est là. Mais il y a parfois d'autres hommes, tu peux mentir. Il fait comme s'il te croit. Il te croit, en fait. Et pourtant, il ne te croit pas. Tout ce que tu peux dire, il est tranquille, il te regarde. Quand tu demandes même, il te donne. Lui-même, il sait que tu es en train de mentir. Donc, ce qu'il veut vous dire, c'est que un homme, ça se rassure avec les actes. C'est-à-dire que même si tu fais les plus gros morceaux de viande, tu lui donnes. S'il ne te fait pas confiance, tu perds ton temps. Même si tu fais la position grenouille enceinte, s'il ne te fait pas confiance, tu perds ton temps. Même si tu dis matin, midi et soir, bébé, je t'aime, crois-moi, comme tu vois là que tu coules même les larmes de crocodile, si les actes ne suivent pas, tu perds ton temps. Ce que je vais vous dire, vous les femmes, c'est que il y a d'autres filles, elles disent à l'homme que le matin que je t'aime, à midi, son téléphone sonne plus que le téléphone de la réception de l'auberge. Comment tu veux que l'homme là ne peut pas te faire confiance? Donc, il faut poser les actes qui vont pousser à l'homme à vous faire confiance. Et là où vous allez voir comment tout devient fluide dans la relation, il commence à vous parler, commence à vous dire ces choses, il s'ouvre, il devient, vous devenez donc comme sa maman. Donc, quand l'homme sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il est freiné. C'est pour ça que vous voyez d'autres hommes, il est avec toi, il ne peut pas te laisser, mais il y a quelque chose qui freine parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui se crament derrière. Beaucoup de femmes mentent même pour rien. Donc, arrêtons un peu de mentir. Soyons vrais dans les relations. Donc, montre à l'homme que tu es vraiment là pour lui. Tu peux le soutenir. Tu peux être là. Tu es vraiment là pour de vrai, pas avec la bouche, pas avec les positions, pas avec la nourriture, avec les actes.